Encore un peu, et il y a toutes mes médailles et mes coupes. Tu vois, ça c'est tout moi qui ai gagné. Voilà, voilà un peu le bureau du Boxing Club de Manille. Un samedi, Inch'Allah. Ah ouais? Voilà, Inch'Allah. Ah ouais? Ouais, à Gaïa. Ah, ici. À qui est là? Tard, vers 22h. 22h. Fais-moi des doigts. Hein? Fais-moi des doigts. Hein? Ah, Inch'Allah, vous dites oui. Oui, Inch'Allah. Tu vas voir la caméra. Inch'Allah, regarde la caméra. Il y a Canal Plus avec nous. Il connaît pas. Oh, j'ai dit à bientôt, Inch'Allah. Merci. Salam. Merci, mon grand-père. Pour lui, c'est un grand combattant. Il a fait la guerre à l'époque avec la France. FLM. Ah, il connaît des combats. Lui, c'est la vraie guerre. Ça n'a rien à voir avec nous. Ça va? Comment tu t'appelles? Comme moi. C'est toi qui m'as copié ou c'est moi qui t'as copié? C'est toi qui m'as copié. Non, arrête. Naïm, pas rester meilleur que Marcel. Mais non, ils sont nuls là.
Là, ouais, Messi va partir, Neymar il va partir, il n'y a plus personne là. Attends, ah, non. Et Mbappé va partir. Voilà, c'est qui le boss? Neymar, Marseille. Regarde, c'est lui, trop nul. Pour les caméras. Vous jouez ou pas? Ah là, c'est le moment, je t'ai loupé, je vais faire mon petit tour de puits là. C'est une grande fierté pour nous. C'est un pro, c'est un homme et on l'aime. Champion dans le quartier, ça nous fait énormément plaisir et Inch'Allah qui continue dans le bon jusqu'au bout de sa retraite. Bah toi, invite-moi. Ça va, le local, il est ouvert là. Pas de bêtises là-dedans. Ouvert ? Il est là. Vas-y, je vais te rendre. Allez les gars, on a deux. Voilà ! Laisse-le, Sama, joue. J'ai merci ou moi ? Merci. Bien joué. Ah, ça joue là, hein, comme par hasard. Ring, dis-lui. Tu veux la troisième ceinture ou pas? Oui. Ça? Oui, ça. Mais deux, ça suffit quand même. Ah, c'est déjà bien, hein? Encore une troisième? Je sais pas quoi. Tu vas la mettre là? Après, trois ceintures, c'est trop, les gars, il va marcher comment après? Là, Il mettra une femme qui lui tiendra les. Par contre, pour la fête du quartier, je te prépare un combat. Ah, ça ouais. Voilà. Allez, go. Regarde comment je vais tomber, moi. On verra, on va je sais pas si ce sera quel combattant encore, je vais le choisir. Allez, vas-y. Méga barbecue. Déjà, grand comme toi. Non, peut-être moi, parce que t'as plein. Ah, Chitou. Chitou. T'as plein de trucs à se dire. Mais par contre, il est grand taille. Non, il est mort. Yamine, pourquoi tu choisis maintenant? Tu vas l'envoyer où? Tu vas l'envoyer où? Ah, peut-être deux. Dîner. Le putain de dîner. Après, il y en a un autre, celui qui était aussi sur le dîner. Ouais, et eux, c'est ça. Alors nous, on a une relation, en fait, il a toujours été au quartier, il a toujours été là. Donc moi, il habite dans le même bled que moi, il habite à côté de chez moi. En vrai de vrai, on est des cousins, on va dire, un peu éloignés. Mais la vraie, c'est comme mon grand frère, c'est comme mon petit frère en même temps, les deux en même temps. En fait, je pense que c'est les deux, ça se rejoint. Parce qu'on a une super relation et ça se passe bien. Et je veille sur lui, il veille sur moi et dans les deux sens. Lui, Yamine, il aime bien ce que je te disais, se mettre en valeur, etc., etc. La toute première fois, il venait à mes combats. Donc, il venait à mes combats et il kiffait être en avant, rentrer avec moi. Du coup, je me suis dit, allez, lui aussi, il faut qu'on essaye de le faire un peu combattre. Il faut qu'on essaye que ce soit lui un peu la star. On l'a fait, il a fait beaucoup d'entraînement. C'est vrai qu'il s'est bien entraîné pour arriver à son niveau, là, parce qu'il est super bon. Il est un bon boxeur. Même d'autres personnes, quand ils le voient, ils pensent que c'est quelqu'un de valide quand il boxe, parce qu'il est vraiment, vraiment bon. Danse, Yamine. Voilà, bouge. Danse un peu, Yamine. À droite. Mais Weather. Allez, à gauche.
Des pompes au milieu, va faire des pompes au milieu. Fais des pompes au milieu. Moi, ça reste une fierté parce que je me dis, ouais, j'ai de la chance de l'avoir parmi quelqu'un de mes proches, parce que je peux me permettre de l'emmener partout, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui pourrait l'emmener, par exemple, à Paris. C'est quand même compliqué de le ramener un peu partout. Et moi, j'y arrive, et il est content de ça, et c'est ça, en fait, son plaisir, bah, c'est le mien. C'est ça qui me fait... C'est pour ça que j'essaie de faire des activités pour lui, de le sortir un peu. Parce que son plaisir, quand il est heureux, bah, moi, je suis heureux, et aussi tout le monde est heureux, c'est ça. Tout le monde est content, et du coup, nickel. Alice, ça commence déjà? Tu viens m'aider, mon frère? Avec grand plaisir, mon frère. T'as ton toit, toi, pour le... Ouais. Je te ramène ça dans ma voiture. Ok. On est bon. Et c'est parti. Avec nous, venez sur la place, sinon vous nous entendez là. C'est quoi le cortège? Un cortège, belhaka, un mariage, klaxon. Ah, bah, tu veux retour? Ouais, vraiment. Viens voir, chérie. Tiens, viens voir, mon pote, viens m'aider encore. Vas-y, on voit, frère. Tiens, attends, tiens. Ah, c'est bon, vas-y, je vais aider. Y'a plus rien? Vas-y, c'est bon, les filles. Y'a pas d'aide. Hein? Y'a pas d'aide. Non. Alors en fait là on va faire une fête pour Yamine, on va célébrer sa deuxième ceinture. Donc on est parti ce week-end à Pont-Sainte-Maxence, donc en Ile-de-France. Et on a fait un tournoi de boxe. Il est arrivé premier, du coup là il a gagné une ceinture, on va lui célébrer ça. Donc, il y a les petits. Salem, ça va les enfants? Oui. Dans 10 minutes ça ouvre. Vous attendez ici? Ok. À tout à l'heure. Et du coup on lui prépare une petite fête. On a acheté des petites bricoles à manger, un petit apéritif. Donc là, on voit, il y a des enfants qui commencent à venir, tout le monde commence à se réunir, tout le quartier, on a invité tout le quartier. Et voilà, tout pour Yamine. Hein. Et la chemise dans ton pantalon. Ouais. Et reste le snipe, tu bouges pas du snipe. Ok. C'est bon? Ok, putain. Tu bouges pas du snipe. Ok, ok. Et mets la chemise dans le pantalon. Oui, ok, ok. Mais toi, frère. Ok. Bye.
Amine, qu'est-ce que ça fait d'être champion? Expliquez-nous cette ferveur qui tourne autour de vous. Dites-nous, qu'est-ce qui se passe, Yamine? Mais qui êtes-vous dans le fond? Qui êtes-vous? La relève de Cassius Clay ou c'est comment? Oh les gars! Alors là, on va faire un petit discours pour vous expliquer pourquoi on vous a tous réunis. Et après, Yamine va dire un petit mot, d'accord? Donc, on veut le silence, juste 2 minutes, s'il vous plaît. Et après, il y aura un petit peu de musique. Et après, tout le monde pourra aller manger un petit coup. Ok? C'est bon pour tout le monde? C'est parti, alors je vous explique. Ce week-end, on est parti en Ile-de-France. Donc, on a fait un tournoi de boxe avec Yamine. Donc, c'est un tournoi, il a fait plusieurs combats. Donc, il a gagné la plupart. Et la ceinture, ils lui ont pas donné. Il l'a vraiment gagné, il a pris des coups et il a gagné tous les combats. Donc on l'applaudit déjà pour ça. Maintenant, s'il vous plaît. Le silence, s'il vous plaît. Maintenant, Yamine va vous dire un mot, je veux le silence complet pour qu'on écoute ce qu'il a à vous dire. Je sais pas, il m'a dit, je veux dire un mot. Faut parler fort. Bon, merci pour le quartier que j'aime. Beauville, Bonzier, tout le monde que j'aime. Et merci pour tous les jours. Merci pour le cœur. Pas mon frère, pas mon père, pas mon frère. Mon frère Naïm, Bouta, Marachel, Mamed, Tamp, Moussa, et à tous les cassettes de Janvier, de Croisette, de Pirouz. Merci, tous les jours, devant le cœur. Et c'est un coup de tête à Allah. Et Allah qui donne bien. Je donne bien la ceinture. Deuxième ceinture. Merci pas Mokhtar et merci pas tout le monde. Et... Arrêtez de me faire chier. Et... Vous êtes tous étudiés à la 8. Merci. Ça va dire par rapport à Yamine, notre champion à nous, notre Cassius Clay à nous, il est là. Il est arrivé tout en haut où personne ne l'attendait, mais ça pas tout seul et j'aime bien parce qu'il le reconnaît. Avec son coach qui l'a pris en charge depuis plusieurs années maintenant, il le sait. Hein. Lui, Naïm, son père, voilà la boxe, Mokhtar, tout le monde sait. La fierté des nôtres, voilà, ces deux-là, c'est la fierté des nôtres. Yamine, champion, notre champion à nous. Et voilà, la vérité. Et merci au Crozet, bonne ambiance. Là, une grosse fête. Exactement. Grâce à eux, grâce voilà. À lui, grâce à tout le monde. Bonne ambiance. Merci à tout le monde. C'était assez, c'était super bien, j'ai bien aimé. Magnifique. Alex, le caméraman qui est juste avec nous, il est aussi avec nous. Vous avez oublié Mounir. Voilà, on remercie surtout Alex, parce que voilà, c'est gérer les gamins à gauche, à droite et tenir la caméra, c'est pas évident. Mounir aussi, on te remercie. Après, il faudrait quitter les lieux, le sang. Et voilà, quoi. Force.
là où tu pars sur la vitesse. Tu sais, pour faire l'exercice habituel. Tu comprends? Ok? Vas-y, essaye pour voir. Voilà, ok. Genre comme ça? Genre comme ça, tu vois. Donc vraiment, un changement, là, on est sur un travail boum-boum, tu vois, à travailler comme Mexico, si tu veux, et avec, on avance, et toujours, tu frappes, tu décales, tu frappes, tu décales. Comme ça, voilà, je frappe, voilà, bah, ah, tu vois, je fais quoi là? Ok, ça me sert à ça. T'arrives là, hop, et après, il se passe un truc, boum, tu pars. En fait, tu pars là. Dans les corps, mais hop, tu fais ton exercice. Et d'un côté, un peu chaud. Là, je te fais un petit entrepôt, un peu de tout. Là, il y a les bandages, c'est le bandage qui sont déjà faits. Sinon, il y a là, les petits bandages que je mets, tu vois, que j'enfile. Là, il y a les gants professionnels avec lesquels je bosse, tu vois, de temps en temps, en combat. La coquille est indispensable, toujours dans mes combats aussi. Je la mets de temps en temps à l'entraînement, mais c'est pas... Je la mets plus en combat, tu vois. Mon casque et mes gants de sac. Là, c'est la place. Moi, je suis là, lui, il est là. Soit on regarde les combats, soit on analyse les futurs adversaires. Ouais, beaucoup. Futur adversaire, c'est toute la semaine. C'est lui qui les trouve. Ouais. Il fait ses recherches sur Facebook. Non, plein de sites. Il y a Fight Nation. Un peu tout, hein. Il y a Fight, je sais pas, Pelaxon. Ah, c'est le projet, normalement. Ouais. Non? Championnat de France. On va commencer doucement, championnat de France. Tout doucement, mais le... j'espère un jour boxer là. Hein. Las Vegas. En Amérique. Là où, là-bas, ça vit la boxe. En France, c'est mou un peu. En Angleterre, ils organisent plus qu'aux États-Unis. Ouais. Ils boxent tous les samedis qu'on a. Il y a le combattant à Yamin qui m'a envoyé des vidéos. À l'instant, là. Okay. Le combattant à Yamin. Merci à toi. T'as fait quoi comme exercice? Fais des abdos. Avec Ahmed. Fais des abdos. Merci, Zoro. Pousser et tout. Ouais. Pour courir. Ouais. Et même que Yamin. Ouais. Donc tu seras prêt pour ton combat? Ouais, j'ai prêt. Tu vas tout arracher. Mais arrête. Tu vas aller faire quoi? Gauche. Ouais, fossé. Wow. Comme Yamin, la même. Tu filmes bien. Oh voilà, la même que Yamin. Ça c'était moi et mon père. Il m'initiait déjà au sport quand j'étais petit. Et regarde, quand j'étais petit, on m'avait déjà préparé les gants. Et vous voyez déjà. Vous voyez déjà la boxe comme avenir. Truc de fou, hein. Et tu penses si t'arrêtes la boxe un jour, il t'en voudra ou... Ouais.
Je sais pas, je pense, parce que au fond, t'as vu, ils s'en foutaient de moi, l'école et tout. Ils me parlaient que de boxe, boxe, boxe. À chaque fois, boxe, viens à l'entraînement, viens ci, viens ça. De l'école, ils me parlaient même pas de l'école. Ça va, j'ai continué l'école, je suis allé jusqu'en BTS. Mais ils s'en foutaient, ils voulaient que la boxe, la boxe, la boxe, tu vois. Et en vrai, tant mieux, tu vois. Même moi, là, maintenant, je suis content, en vrai. Parce que tout ce que ça m'a apporté, la boxe, tu vois, je suis content que c'est un bon sport, c'est un sport noble, tu vois, je kiffe. Voilà. Donc, heureusement que j'ai choisi la voie qui m'a mis, tu vois, en vrai. Parce que c'est, sans mon père, je pense pas que j'aurais fait de la boxe, tu vois. Sans mon père et mon oncle, parce que c'est une chance, en vrai, tu vois. Ils ont la boxe depuis que je suis petit, ils ont la salle, j'y vais, tu vois. Ça, c'est ma maman. Ça, c'est quand j'étais petit avec ma maman, tu vois. Et ma maman, au début, elle voulait pas que je fasse de la boxe, tu vois. Elle aimait pas la boxe, elle aimait pas. Et au fur et à mesure du temps, elle a commencé à aimer. Maintenant, elle kiffe et elle fait beaucoup pour moi, même pour la boxe. Elle essaie de me trouver des sponsors. Elle appelle les entreprises. Elle essaie de faire un peu la manager, tu vois. Elle kiffe ce qu'elle fait par rapport à moi. Je suis content parce que de base, elle n'aimait pas, tu vois. J'étais dégoûté. Je me disais, je crois que je vais arrêter. En fin de compte, tu vois, mes parents, ils sont divorcés, je te dis. Hein. Ça veut dire qu'elle est dans le sud, elle. Mais elle essaie quand même de gérer, tu vois. Par contre, elle ne veut pas venir me voir en combat. Impossible, elle a dit. Elle a trop peur. Ah, elle a trop peur. En fait, elle ne veut pas voir son fils se prendre des coups. Tu vois. Et le pire, si elle vient, j'ai peur, elle y va, elle monte sur le ring, on sait jamais. Tu vois. Ouais, pratiquant. Là, il y a mon tapis de prière, on n'oublie pas. Et ça m'aide, ça aussi. Ça m'aide dans mon comportement, dans tout ce que je suis, tu vois. Là, il y a le livre, le Coran aussi. Tu vois, j'essaie de lire un peu avant de dormir, j'essaie de. Très important pour moi. Gracias.
Et du coup entraîneur, mon oncle aussi il est entraîneur, du coup moi j'ai été baigné dedans tout petit. Donc ils ont créé le club en 2002, ils faisaient de la boxe déjà avant, du coup moi depuis le berceau je regarde des combats de boxe à la télé, je suis mon père à la boxe, je vais voir les anciens pros dans des galas de boxe. Voilà, je suis baigné depuis tout petit en fait. C'est un quartier en or avec beaucoup de valeurs. Alors beaucoup de valeurs, c'est ça qui m'impressionne parce qu'il y a beaucoup de quartiers autour, je pense qu'on est très solidaires. Je m'appelle Naïm Bellassen, j'ai 24 ans, on a bientôt 25 ans, et je suis boxeur professionnel.